Bon. On est reparti du coup sur le jeu. Hein. Sur The Backroom 1998. Je vous rappelle qu'on est censé... Merde, pardon, il faut que je chuchote. On est censé trouver des objets qui sont sur la photo. Cela là. Voilà, faut que je trouve tout ça. J'ai 6 trucs à trouver. Une veste. Une photo de famille. Un jouet, un BMI, je sais pas ce que c'est, un sac, un bracelet. J'en ai trouvé aucun pour le moment. Mais genre zéro. J'ai l'impression de faire un bruit des enfers quand je marche. Et je suis complètement perdu. Attendez, le mec me repère à 10 000 lieues, comment ça se passe? Tout à l'heure, il s'est mis à courir sans raison aussi. Donc le mec me repère à 15 000 bornes alors que je chuchote. Est-ce qu'à tout hasard je peux pas juste baisser la sensibilité du micro? Parce que ça a l'air d'être violent en fait. Je sais même pas où c'est. Game volume. Ambient. C'est quoi ça? Quelqu'un qui s'est amusé avec les chaises. Voilà, il court. What the fuck? Mec, il est à 20 mètres. Chuchote, il m'entend. Safe. C'est quoi ce délire avec les chaises? Thank you.
échappatoire, juste tu toi tout seul. Enfin toi-même. Enfin vous avez compris. Ok, je peux me soigner. Hop. Mais ça c'est gratuit quoi. Blague, il est censé être aveugle. Quel moment il est aveugle là? Expliquez-moi. Donc il me voit. Je sais pas du tout quand est-ce que je pourrais re-sauvegarder. Bon, vas-y, je sors. C'est une blague. Pourquoi il court ? Du coup, quand je suis caché, il s'est entendu en mode non mais je t'ai entendu. Mais attends, mais à comment je joue? J'attends qu'il s'éloigne, je sors, je fais zéro bruit, j'ai même pas chuchoté. Il se met à courir. Il revient ici. Je fais comment moi?
les screamers à la con par contre. Une télé par pitié. Oui. Oh merci mon Dieu. Ok, j'ai deux objets. J'ai deux objets, il m'en manque. 4. Je m'en fous, je peux faire du bruit de toute façon. Le jeu dure que 40 minutes, c'est une blague. C'est si long parce que tu te perds et tout. Alors je sais, j'ai le graphe, je pourrais m'en servir, mais j'aurais dû noter pour le code. Est-ce que quelqu'un se rappelle du code? Parce que je l'ai pas noté. C'est 460. Je crois que c'est 47 quelque chose. Peut-être 473 peut-être. Ça va pas bien la tête. Donc, il y aura à droite, bordel de merde. What? C'était quoi ça? J'ai retrouvé. Alors. Ouais, c'est 473. Yes, c'est ça. Ça, je me rappelais, incroyable. Il y a quoi dedans? Le bracelet. Yes, prends. Plus que deux objets. OMG, putain! Mais c'est Screamer, mais c'est... C'est juste pour me cacher un peu, je crois.
batterie, super. Porte là, mais je sais pas comment l'ouvrir. J'ai rien pour l'ouvrir. Il y a un truc. Non, mais je suis jamais arrivé à avancer, quoi. C'est toutes les 3 secondes, il ramène son cul. Il me faut un truc pour la porte, mais j'ai rien pour l'ouvrir. C'est un abus. C'est bon, il est là. Putain, mais il m'a détecté à cause de quoi? J'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. J'ai pas parlé, j'ai pas marché dans un truc bizarre. Dieu merci, j'ai une sauvegarde. Bon, c'est bientôt 23h30, je vais pas m'arrêter dans trop longtemps, je pense. Putain, c'est abusé, quoi. Les gens coupent leur micro, c'est pour ça qu'ils le terminent rapidement. Mais, ah, le problème, c'est que moi, je peux pas le couper en live, sinon vous m'entendez plus. Mais genre, en jeu, tout à l'heure, c'était marqué qu'on pouvait le désactiver. On peut pas, en jeu, c'est débile. C'est super mal pensé, quoi, si le mec a pas prévu ça. Y'a pas genre M ou... Non mais là, les screamers faut arrêter, pas. J'ai ça à couper. Cut chain, ouais, mais j'ai pas ce qu'il faut, ouais. Ah, je m'ai tapé 2 fois. Attendez, on va essayer dans le menu, ouais, si jamais. La caméra bouge dans tous les sens. Mais nimp, hein, vraiment nimp. Il m'a entendu, mais à 20 millions de kilomètres, c'est n'importe quoi. Agressez-moi, allez-y, je vous en prie. Donc là, je peux pas y aller. Je peux plus courir. C'était déjà passé, je crois. Putain, mais il me rattrape parce que je peux plus courir. Oh, putain, ça va devenir chiant. Ça va devenir chiant. Ça va devenir chiant. Oh, putain. Il n'a pas prévu cette fonction. Non, mais c'est débile.
C'est débile, si tu mets une fonction de micro entendu dans le jeu, il faut que tu puisses couper le micro sans avoir besoin de couper ton micro à toi. C'est super mal pensé. Hein. Welcome to the game, le micro tu pouvais l'activer ou le désactiver quoi, dans le jeu. Je n'ai rien à foutre, putain. Oh oui. Plus qu'un objet. Plus qu'un. Ça me saoule, ça sert à rien, ça. Il arrive. Dans les placards et c'est pas les ouvrir. Ah ouais, oui, il me semblait avoir remarqué. J'avais peur qu'il s'éloigne pas en fait. Parfait. Je crois qu'en fait. Oh putain, ouais, c'est juste un raccourci. Ça sert à rien. Je sais pas où est le dernier objet. Je sais pas s'il était là, mais dans le doute. Ok, j'ai trouvé l'autre portail que je voulais ouvrir. Mais à tous les coups, c'est juste une planque en fait. Non, non, les objets se posent automatiquement. J'ai fait un truc là. Attendez, je crois que j'ai jamais été là. Putain, pitié, faites que j'ai trouvé le dernier objet. On va juste attendre qu'il se barre un peu. Ok. Le code, bah putain.
ça, on va trouver un nouvel endroit, je suis pas sûre en fait. By the way, to escape. Je veux une sauvegarde. Je veux une sauvegarde. Je suis où maintenant? Il n'y a plus le monstre? Je l'entends plus. J'ai perdu ou c'est fini? Non, mais pas la vidéo d'enfant, ça je trouve ça malaisant. C'est malaisant. C'est le petit Tibi. Qui s'est fait kidnapper. Et ils ont trouvé une main ou je sais pas quoi. Et ça c'est moi? Ça c'est moi avec mon skate du début. Bah ouais, là, le début avec le diamant on n'avait pas vu, mais ça c'est la vidéo d'intro. Ouais. Wouhou ! Merci Sandy, bienvenue à toi. Ah, et là c'est le no clip dans les backrooms. Ouais, c'est... Oh shit. Ah, il respire pas. Genre, je me suis cassé le cou. Genre, en fait, je suis mort. Je suis mort pendant ma chute de skate. Jimmy! Et son imperméable jaune. What's he doing all alone here? Let's go fuck with him. Grab the hammer. Et peut-être que c'était mon petit frère en fait, non? Let's go lock him up. Je suis pas sûr. Get the hammer, let's go! Let's lock him up in Liam's house. Have some fun with this. C'est moi qui l'ai tué en fait, non? Mais du coup, l'étoile de mer imperméable, c'était Timmy, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. A week had passed since the shocking, gruesome discovery of little Timmy. The 11-year-old was walking on his way home when he most likely was kidnapped. His mother. Donc ouais, ça c'est ce qu'on avait entendu à la radio, voilà. Donc Timmy a été kidnappé à 11 ans. His favorite meal, spicy fried chicken. Alors, le corps de Tommy a été trouvé donc deux jours après dans la forêt, donc avec son gilet jaune. Il avait les mêmes vêtements que quand il s'est fait kidnapper, et sa tête et son bras étaient détachés de son corps. Donc il a été kidnappé et torturé. L'autopsie donc a révélé que qu'il a été blessé avec un marteau. Ah, et apparemment il était encore vivant quand on lui a enlevé le bras. Horrible. Et du coup il a couru sans bras pendant plusieurs minutes à appeler ses parents, de venir le secourir, et il a fini par mourir parce qu'il perdait trop de sang. Horrible quoi. Et du coup l'autopsie a assez révélé que son dernier repas c'était son repas favori, donc les chicken je sais pas quoi là.
C'est terrible. L'histoire est horrible, ouais. Yam William, 18 ans. Chargé de faux kidnapping. Brutal murder. Ah, donc c'est Liam William le... qui est accusé. After. Ah, et du coup, ils ont retrouvé la VHS de Paul Hart, qui a 19 ans. Après qu'il était admis à l'hôpital après un accident de... J'ai pas le temps de lire, bordel. De skate. Donc c'était nous. Et ça, c'est la photo donc, ouais, qu'on avait trouvé du petit Timmy. Ok, donc l'endroit où Paul Hart, un des tueurs, a été trouvé... Attends, mais laissez-nous le temps de lire, à l'aide. Liam William. Donc Liam William, c'était juste un pote de Paul Ward ? Ou il faisait partie des meurtriers ? J'ai pas compris. Merci d'avoir joué. Bon ! J'ai pas compris. On l'a tué ? Non, c'est Paul, je crois. Mais j'ai pas compris si nous, on avait participé au truc aussi ou pas. Parce qu'il disait un des tueurs. Donc, peut-être qu'on a participé, en fait... au kidnapping et au... Je sais pas. Je suis pas sûr. Et nous, on est mort depuis le début. J'en conclus que seuls les morts font un no-clip dans les backrooms. Je sais pas. Ouais, pour le coup, c'est un peu... obscur. De toute façon, les backrooms, il y a plusieurs... Tu sais jamais trop... C'est un peu comme Silent Hill. Hein. Tu comprends jamais trop comment t'arrives là, mais bon. En vrai, je trouve que le jeu... a de très bonnes choses, mais là c'est dommage parce que vraiment sur la fin là je commence vraiment à rager parce que juste le jeu avait été mal pensé entre guillemets quoi. Le monstre qui te repère à 20 mètres, tu siffles, il te repère pas et tu fais zéro bruit, il te repère. Le fait que tu puisses pas couper le micro, je suis désolé, je trouve ça débile. Si tu mets une fonctionnalité avec un micro, t'es censé pouvoir la couper quoi. Surtout que, surtout en 2022, quand tu fais un jeu, tu sais très bien que. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui stream et tout, et que ça peut être super chiant, quoi. Surtout que là, le micro, enfin, le monstre. Enfin, de toute façon, il y a des moments où je ne parlais pas, le monstre me repérait quand même. Donc, je pense qu'il y avait vraiment un problème avec le monstre. On a repéré aussi qu'il se téléportait, parce qu'il y a des moments où il était devant moi, il se retrouvait derrière moi. Et les screamers, les premiers screamers, ça va, le truc avec les mannequins, bon, c'est du déjà vu, mais. Il y avait 2-3 trucs qui avaient été plutôt cool, qui étaient bien faits. Mais au bout d'un moment, quand tu te prends 50 screamers aléatoires dans la tronche... Ah non, là, c'est too much. C'est too much. Du coup, je suis un peu... Ouais, je suis mitigé. Il y avait de très bonnes choses. Au début, on était masse dans l'ambiance. C'était très cool. Il y avait de très bonnes choses. Et il y avait des choses hein, qui ont fait redescendre un peu le niveau. C'est un peu dommage. Mais franchement, si j'avais pas tourné en rond pendant 20 millions d'années parce que le monstre me bloquait, parce que je me suis perdu, bon ça, j'avoue que j'aurais dû me servir du graph, c'est plus de ma faute ça. J'aurais dû me servir du graph plus tôt, mais ouais. Dommage que ça n'ait pas grand-chose à voir avec le niveau 0 des backrooms. Bah, au moins, il essaye de faire autre chose. Après, j'avoue que je suis pas hyper calé sur les backrooms pour savoir si vraiment il a respecté le thème des backrooms, tu vois. Je suis pas assez calé pour savoir si là-dessus il a bien joué ou pas. Après, ouais, de pas revoir encore la même chose, je trouve que c'est pas plus mal, tu vois, parce que sinon c'est un peu trop toujours pareil, quoi.